On tape les mains. Regarde le blind. Celui-là, c'est qui, lui? Bon, on applaudit très fort pour le monsieur. Monsieur Dubois. Bon, je ne suis pas sûr, mais les noms là, c'est souvent comme ça. Monsieur Dubois, Frédéric Delagorge, Jean-Jacques Luné. Je ne sais pas. Moi, je préfère chez nous, Moussa, à vous. On dort. Oh, bam. C'est encore bien. Mais je vous jure devant Dieu, je jure la Kakodunga, j'ai trouvé ma grand-mère derrière, mon Dieu, derrière la maison, avec un téléphone, en train d'écouter un son. Imaginez-vous le son qu'elle écoutait. Elle a 72 ans. Quel genre de diplôme tu veux avoir? J'ai dit non, toi aussi arrête ça la vieille. On applaudit pour ma grand-mère quand même. Et je ne sais pas quel diplôme elle va avoir. Le vieux Ngenge est là, ça. Je suis obligé de bien travailler, tu es là. Mon Dieu, regarde-moi ça. Pour qui me fait transfert? On a... Moi, je n'aime pas quand je suis en plein spectacle. Je suis en train de démarrer mon one-man show. Et toi, tu t'amènes. C'est qui? Regarde l'habillement. Quand tu regardes les femmes ce soir, regarde comment elles sont jolies. Mimi, Transfini, Miss Mini. Oh bon, les mots me manquent. Comme qui? Émérissant. Quand vous regardez la fille là, vous-même, vous pouvez regarder, vous pouvez vous ressembler à cette fille là. Oh oui, c'est comme un vous aussi, on est ensemble. Les femmes, criez quand même, ok. Les femmes, oh. Les femmes, hein. Quand même. Madame. Le mot me manque. J'ai dit. Oui. Quand moi je suis en train de faire mon spectacle, tu viens m'embrouiller par rapport à quoi? Bon, comme j'étais d'abord là-bas, j'ai entendu le bruit. Quel bruit? Bon, les gens ils sont en train de crier, donc ça, je me mouvantais. Je pensais que la canne avait déjà commencé. C'est comme la canne, c'est en 2017. Voilà, c'est à quel moment? Si tu me parlais des élections, parce que le message c'est hoyé, oh yeah, c'est ça, non? Mais quand même, la canne de Wa. Oui. C'est encore loin. Et puis, on n'est plus ensemble. Là, c'est maintenant Gabon seul. Voilà. Bon, comme on n'est pas dans le diapason, donc je pensais que c'était déjà la saison. Ça, c'est quel français, ça? Le français. Quand vous regardez, c'est la fille de qui? L'enfant de sa mère. Voilà. Oh, madame. Hein? Vous, quand vous regardez la fille, là, vous ne voyez pas qu'elle est un peu malade? Merci. À vous de même si c'est un complément. Merci. Madame, tu ne joues pas avec moi. Si, si, ça c'est grand, on peut jouer à deux. Voilà. Elle me fatigue, cette fille-là. Je ne sais même. Oh, et regarde. Oui. Avance ici. Non, madame, va jouer là. Comment tu as fait? Tu sors d'où? Tu sors d'où? Bon, je reviens en Guinée, j'étais avec le président. Quel président? Ali Bongo. Oh, oh, oh! C'est Ali Bongo. Ali Bongo. On ne sait pas ceux qui sont dans la salle là. Oui. Laisse ça comme ça. Voilà. Tu étais avec lui. Voilà. Tu es sûr. On était ensemble. Kibo, je vais vous raconter une autre tranchant. Vas-y. On était ensemble, on était en Belgique. On est quitté là-bas en Belgique. Donc, arrivé vers ici, là, comme je voulais prendre un pot au niveau d'un Guinée, l'avion a 8 crevaisons, je suis descendu. Je suis parti passer par Cocobis. Quand je suis tombé Cocobis, nous sommes arrivés là en passant. Tu viens, tu vois ce qu'un beau boulevard à Libreville, le tranchant, je prends le pivot, je suis sorti ici. Avec la soie, je suis arrivé ici, là. Ah, ça. Voilà. Viens ici. Madame va. Non, vraiment, franchement. Oui. Donc, tu as quitté boulevard et tu es arrivé jusqu'ici. Ici. Tu es venu faire quoi? Bon, normalement, je suis l'artiste, hein? Je suis un artiste. Oui. Elle se ressemble vraiment à des artistes un peu comédiens, c'est ça? Tu es artiste, que tu sais faire quoi, toi, dans ta vie? Tu sais faire... Bon, je sais chanson. On dit chanter, chanter. Voilà, ça a glissé, ma co, mais je parle comme je parle. On va faire comme ça. Bon, tu connais chanter, non? Oui, oui, je connais chanson. Et elle continue dans les bêtises. Voilà. Bon, si tu connais chanter, qu'est-ce qui nous prouve que tu maîtrises la chanson? Eh, mon gars est venu. Qui c'est? Mon bébé. Elle est là. Monsieur Dubois. Je vois pourquoi elle les lunettes sont quittées un côté. On sent que tu es blasé du bise. Et ça, on me reconnaît ça. Ah, ça. Oui. Bon, monsieur Dubois, si réellement elle t'aime, elle va faire un morceau pour toi. Et avec esthétique. Hein.
Il faut que depuis là-bas, il envoie du cœur. Oui, oui. Ou bien la flèche de Cupido. Mm-hmm. Voilà. Bon, vas-y, chante. Ça, c'est une chanson qu'on a l'habitude de chanter à la maison quand on est à deux. Quelle chanson? Bon, c'est une chanson d'un chanteur d'ici là. On l'appelle comment? Nadège Doudou. C'est ça, non? Vous avez une idée? Hein? Nadège Doudou. Mbadou. Ah, Nadège Badou. Hein? Ah, oui, vas-y, vas-y. Chante, chante. Bon, attends. Les gars, sois concentré. Egibo, Egiba, je vais essayer des chansons. Bon, si la chanson est bien chanson, il faut applaudir. Si la chanson n'est pas bien chantée, il faut quand même applaudir pour que je sois avec la honteur. Hein? Voilà, il faut m'encourager à jouer. Voilà. Et là, fais ça bien. Fais ça bien, il va être blasé. Regarde, sa petite commence à trembler. Tu vas sentir. Chante, chante. C'est mes mains ici, non? Voilà. Non, non, en face de lui, en face de lui. Non, c'est bien. Voilà, je n'enlève pas ce quoi. Le gars, là, il est pointu. Hey. Vas-y, chante ça. Voilà, et sont même d'abord mes dragages là-bas de voir jouer le faisant. Il n'a même pas honte. Mmh. Ça, c'est la jalousie. Vas-y, vas-y. Juste un regard est changé. Ah! Il est blasé. Vas-y, vas-y, vas-y. Il va céder. Il va tomber, va nuire. Un sourire partagé. Les blancs ne se disent non. Les blancs ne durent pas avec l'émotion. Regardez maintenant. Waouh. Mais le con blanc n'est que. Je ne connais même pas ton nom. Comment faire pour te retrouver? Je crois que tu es mon homme. Je t'aime. Ah non, pas là. Tape là. Tu sens me manquer de respecter devant l'embouteillage comme ça là. Tu sens me parler ici là, n'importe comment. Non, 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 là c'est bon. Je ne peux plus te manquer de respect. Voilà. Bon, comme tu as dit que tu étais artiste là. Ah, vraiment, tu me blases. Voilà. Bon, comme tu as dit que tu étais artiste, on va aller rapidement. Oui. On suppose que... Ouais. Qu'est-ce que tu peux encore nous proposer? Bon, ça dépend, je vais présenter beaucoup de choses. Ça dépend, ça que tu veux que je fasse, je peux faire ça. Bon, suppose que ça, c'est un public sénégalais. Tu te trouves au Sénégal. Oui. Et comment tu peux communiquer avec eux? Bon. Bonsoir, messieurs et madame. Au Sénégal? Où c'est? On a demandé de fermer les micros. Ils n'ont même pas encore mangé. On pensait qu'ici, là, il y avait les nourritures. Parce que moi-même, j'ai déjà fait la ma onzième. Ils sont là, le public. Ah, ils sont ici. Oui. Ils sont maîtrisés parce que quand elle a d'abord parlé, là, je... Tu as eu quoi? Mon gars, regarde, frangin, s'il te plaît. Je t'ai remarqué, depuis là, tu parles beaucoup. Tu as porté une veste, on s'est dit que c'est le bureau, en tant que quoi à l'école. Mais le gars là, il est malade. Depuis là, oh, il t'es giflé. Bon, on y va, Sénégal. Bonsoir, messieurs et madame. Je suis très content de vous trouver ce soir ici-là. Vraiment, pour ma participation, moi, j'ai amené un conteneur de Dieu. Pour ceux qui ne mangent pas les piments, c'est pas grave. Vous pouvez traiter ça, c'est pas WhatsApp. Ceux qui n'ont pas les WhatsApp, je vais faire les places de piments. Voilà. C'est ça. C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, si on change, ça devient public congolais. La sapologie. Bonsoir, frère, père et sœur. Bon tenango. Vous savez, vraiment, moi, je suis content d'être ce soir. Vous savez, la plupart des filles ici, elles sont très jolies, elles sont mignonnes, les gars, les têtes. On dirait des filles qui vivent en Italie, mais pourtant, on vit au Gabon. On dit, le Gabon est bizarre, il fait trop chaud, il n'y a pas les comment on appelle, les neiges qui tombent du ciel. Mais bientôt, on aura ça ici. Bon, pour les filles qui aiment faire les soussas, bon, vous pouvez me voir à la sortie, parce que j'amenais les mécacos, les projets, les jaribous. Vous pouvez faire les soussas, bon, vous. Ah, ça! Oui, c'est ça. Ben, bon, apparemment, oui. On peut retenir l'artiste, oui ou non? Monsieur, on retire l'artiste, il faut applaudir. Voilà. Et là, tu es venu avec qui encore? Bon, je vais pour faire le dernier sortie, je vais amener un danseur pour faire les dernières chansons. Oh, bon, amène le danseur, il est où? À Coco. Ah. Coco. Le nom du danseur, c'est à Coco, c'est qui? Coco, viens. Le danseur, Coco. Viens, 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 on va faire la pression. Coco, il est où ça? Voilà, elle arrive. Coco, commence. Oh! Ça, voilà. C'est quel danseur, ça? C'est le danseur. Mon Dieu, il m'a même touché. Peut-être même qu'il a les bolas. Eh, mon danseur ne sont pas bolas. Je vais vous présenter le danseur, là.
Ça, c'est l'est danseur de Malik Tedjouasson. Elle est danseuse avec Malik Tedjouasson. Elle est danseuse avec Arafat. Elle est danseuse avec beaucoup les chanteurs. Oui, oh, oh, je vais te gifler. Ça, c'est le dernier meilleur danseur qui est resté. Donc, avant de mourir, c'est moi qui ai décidé de venir toucher. Attends, équipe, oh! Équipe, ah! C'est simple comme bonjour. Quand vous regardez ces danseurs-là, vous savez qu'à la mairie, on délivre souvent trois actes. Non? Il y a l'acte de mariage, l'acte de naissance et l'acte de décès. Lui, là, on remet quel acte? Quand je sors d'ici, c'est pas ici où tu es venu mourir. Bon, je peux appeler les autres, non? Et qui? Bon, imagine un peu sur le premier comme ça, le reste, comment? Hey, oh! Va avec tes danseurs. À quoi on commence? Coller. Allez, il n'a même plus le bord, il a maintenant l'écran placé. Vous applaudissez aussi pour quelqu'un qui est prêt à mourir. Il veut quand même danser, coller la petite. Imaginez-vous un peu, les laisse à deux. Coller la petite au fond. Oups, hé! Dis comme moi ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu vas où? J'ai porté mon pantalon, je suis debout. Je ne sais pas que ça se fait. Mon petit, je ne t'ai pas demandé ça. Je te pose une question. Tu vas où? Attends, tu vois quelqu'un, il vient, tu ne connais pas là, qu'il part, peut-être il veut se suicider, peut-être il cherche soit l'avenir, tu le bloques, tu comptes sur quoi? Non, selon vous, on est dans la joie, toi tu veux te suicider, mon petit, c'est pas bon. On est dans la joie, reste dans le rire comme tout le monde. Attends, équipe, il a fait la morale à qui c'est? Mouf, tu es mon père. Ça c'est quoi? Hé, hey, mon petit, en plus il m'insulte. Ça sort comme ça sort. Je jure devant Dieu que quand je regarde le gars là. Attends, j'ai pas la même chose. Tu te mets à rire, tu ris ta mère. Hé, hey, oh, ma petite, laisse bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon, c'est bon. Non, t'abuses. C'est bon, quand même, toi. On t'appelle les. Monsieur, 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 c'est-à-dire heureusement que Dieu a dit aimer ton prochain comme toi-même. Parce que s'il avait dit ressembler ton prochain comme toi-même, c'est pas la peine. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est d'abord si les cheveux c'est comme ça, c'est que le cerveau c'est comment? Les cheveux c'est déjà en bruit. Déjà, les cheveux on prend soin de ça. Si tu n'arrives pas à prendre soin des cheveux, le cerveau, tu vas faire comment? Et puis, monsieur, ça, peut-être tu n'es pas au courant. Hein? Tu vas te renseigner dans tous les Gabons. Je m'appelle le général Kiri Kara, le seul Nigérien fan. Ou à ben, n'ango, tu n'as pas de soucis, mon ouache, et puis moi-même. Mon petit, depuis là, tu remarques que tu es en train de parler, je te laisse parler. Sinon, tu vas faire quoi? Et puis, ça qui me fait mal, hein? C'est que j'ai envie de voir les sages-femmes qui t'ont traité avant que tu aies né. Parce que si c'est moi les sages-femmes là, pendant qu'à l'hôpital on te pousse, moi les sages-femmes, je te repousse dans le ventre. Tu n'as pas utilité. C'est-à-dire, les gens, quand Dieu est créé, il est concentré. Il y a aussi les gens, quand Dieu est créé, tu sens qu'il a somnolé un peu comme ça là. Frangin, ne filme pas ça. Ne mets pas ça dans le attends, 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 attends. Donc les parents, ils envoient les enfants à l'école pour devenir DG, directeur ou bien président. Toi, c'est caméraman, tu as choisi. Ça, c'est 15 ans de réflexion comme ça, là. T'as les gens réfléchis positivement, lui réfléchit imagement. Ça, c'est quoi? Respecte tout le Seigneur. Mais voici, si vous l'encouragez. Avec la frangin, doucement. Sinon, tu vas faire quoi? Je ne sais pas. Il menace les gens. Il a. Jesus Christ. Passez. Est-ce qu'il y a le passage? Tu as vu quoi? Regardez seulement ça que je vois.
Ah, là, tant pis pour la personne. Là. Enfin, il m'a laissé. Ah! On nous m'a ici qu'à Ben Choisé, il est mort, là, qu'il est venu ici, là. Ça, c'est le manque de respect. C'est pas normal. Choisé! Non, Choisé, c'est bon. Laisse, je vais gérer la situation. C'est lui, avant, quand il a levé le dos, il n'y a pas l'anesthésie, il arrache avec... Ah! Maintenant, si on te rend ça, là, tu vas faire comment? Mais malgré tout, il a levé la moustache, tu l'emmènes. Mais il faut appeler pour Choisé, il faut appeler pour Choisé. Choisé, il allait. Maintenant, et puis tu sais, depuis là, tu as fait le bruit. Et puis quand tu te vois, je sens que tu as l'esprit de vie. Attends, est-ce que les jeunes ils sont là? Bon, monsieur, il y a une chose qui me fatigue. À chaque fois quand je vois les gars là, je lui dis les mêmes choses. Je finis toujours par lui faire quelque chose. Mais accompagnez-moi, ce sera mieux. Tu vas partir chez ton père, je vais te. Tu pars chez ta mère, je te. Chez ton grand-père, je te. Tu pars à l'hôpital, je te. Tu pars les gabosseps. Je tire le casier de chambre froide, j'ai tes bastons. Tu pars dans le paradis, j'ai tes prince Jesus Christ, j'ai tes bastons. Tu pars dans les enfers, je te prends là-bas, j'ai tes bastons. Mais tu pars dans le public. Là, je peux te laisser. Sauvage. Ça, c'est quoi ton pied maintenant, ça tremble? Non, c'est pas moi qui tremble, ce sont les pieds. Sinon, mais il bat là. Mais voilà, tu aussi, arrête ça, tu es un homme quand même. Arrête. Et puis, je vous dis bien une chose, hein. Depuis que j'ai voyagé, vous en laissez le public le plus fort que j'ai vu. Applaudissez pour vous-même, je vous dis. C'est le meilleur. Parce que moi, j'ai fait le monde entier. J'ai fait beaucoup les pays. J'ai fait Cocotier, Boulevard, Timinchos. Tout ça, j'ai fait les pays là, sans passeport. Bon, maintenant, toi, les chances que tu peux avoir que je te laisse, tu vas rentrer dans les jeunes. Parce qu'on a fait l'étude des vieux. Les jeunes, vous sont là, c'est ça ou c'est pas ça? Bon, dis-je. Les vieux aussi sont là. Les vieux, vous êtes là, c'est ça ou c'est pas ça? Ah, tu as dit. Même les vieux se reconnaissent plus aujourd'hui. Bon, en tout cas, DJ. Maman! C'est. Les blancs disent toujours tout est bien qui finit. Maintenant, si vous partez au hôpital général, beaucoup sont allongés là-bas. Si vous partez Kabosep ou bien Saf. Même là, dehors là, à Céline, beaucoup sont là-bas. Mais il y a quelqu'un qui a permis que tant que nous sommes, on soit sur des pieds. Il faut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît. Bon, le général Kiri Karakeje suit Manitou Moupeni avec Mariama. Toute la population, on vous souhaite prospérité, longévité, bonheur, santé, paix, amour et beaucoup d'argent. On est ensemble. Merci! C'est ça ou c'est pas ça? Ah, les femmes, vous aussi. Quand vous voyez un artiste toujours. Ah, c'est quoi? Vous, c'est moi? Ah. Bien, lui, c'est mon parrain. C'est avec lui que j'ai démarré ma carrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis solo. Voilà pourquoi je vais vous demander d'applaudir le doyen des doyens. Voici pour vous! Bikoku Suleiman. Est-ce que ça va ce soir? On tape les mains, tape les mains, tape les mains, tape tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si. Est-ce que ça va là-bas? C'est bon là-bas? Ça va? C'est 1, 2. Alléluia, voisin. Famille, oh! Je ne vous sens pas, ça va bien? Est-ce que le Gabon est là ce soir? Vous êtes fatigué? Vous êtes dans la chaleur? Avant de se pour les humoristes gabonais, s'il vous plaît, pardon, je vous en prie ce soir. C'est bien, tout le monde a pris de l'ampleur, tout le monde est arrivé ce soir. Nous sommes tous contents. Merci. Et on va remercier. Ah, ils sont pleins, oh! Ils sont beaucoup, hein? Tapez les mains pour les Français qui sont là, s'il vous plaît, pardon. Ils sont arrivés pour la circonstance. Merci beaucoup. C'est un plaisir, c'est nous au Gabon. Merci beaucoup, c'est l'Afrique. Famille, est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer?
tout a changé. Je fais un constat. Il y a deux cas. Depuis qu'on est passé ici, vous n'avez jamais parlé de ça. C'est bizarre. Les PD. Applaudissez quand même un peu, Les PD. Famille, oh. Mais j'arrive au maquis, je suis assis, paf, boc, je regarde, tac, je vois une maman et des gens, une foule. On bastonne deux personnes. Tu vas mourir, merci. Je dis, oh, ça c'est quoi? On me dit, non, sous les bancs, on bastonne les PD. On leur fait du mal. On leur bastonne. Il dit, quoi? Oh, les gars, là, ne changent pas. Je vois un costaud qui arrive. Balèze, baraqué, perruque, rouge à vert, crayon de bordel, fond de teint de fond. Famille, talon d'âme, petit sac, comme la patronne. Famille, il marche, ça, costaud. Hein. Mais il arrive en face de moi, il a une petite voix. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Même les Gabonais. Il dit, mais toi, m'dé, où y'a Bill, ça? Na, n'avance pas là-bas. C'est comment? C'est comment la troupe mort là, mon Dieu. Tu dis, mon Dieu, Seigneur, je suis un costaud, gros comme ça, costaud. Mignon mec, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a pas marché? Famille, oh. Mais quand je regarde bien pire, il dit, Souli, il dit, hey, appelle-moi doucement. Sinon, le voisinage va entendre. On va me confondre. Ils vont penser que je suis autant fixe, repos, tenez-vous, doigt. Un balèze, la petite voix. C'est comment? Mais explique-moi. Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Il y a des manis là-bas. On bastonne le pédéo. N'avance pas! Et tu dis quoi? Tu peux répéter, s'il te plaît? Tu dis quoi? Il dit là-bas, on bastonne les PD, ne parle pas. Le gars, il change de voix. Bastonnez-le. Faites-le du mort. Tuez-le. Bastonnez-le. On applaudit. C'est ça ou c'est pas ça? Famille, oh. On peut avancer. Ah, ça c'est bien. Le Gabon est là, excusez-nous, il fait un peu chaud. C'est la salle qui est comme ça, mais ça va avancer un peu. On va remercier le patron de Score Energy qui est là, c'est mon patron. Il est là, Score Energy, il est là. Il est là. Voici un peu de score pour moi. Applaudissez pour moi quand même, vous ici. Ça c'est bien. Score énergie, ça ne peut que commencer. Hein. Ça c'est. Oh. Mais c'est pour que le podium aussi a l'énergie. Applaudissez pour ça, c'est bien. C'est ça, c'est score énergie. Attendez-moi ça, allez. Chanson de Mentali. Chanson de Mentali. Un Gabonais dès qu'il a le bac. Ticatien, c'est l'avion, en France. Famille, dès qu'il a le bac, c'est la France. Tu comprends, c'est moi? Arrivé du vol, la compagnie. Tu sens que ça a changé. Au Gabon, tu as laissé arriver du vol. C'est pas pareil. Ah, tout a changé. La vie a changé. Famille, quand j'arrive, je vois un magasin écrit, magasin Leclerc. J'ai dit, oh. Il n'y a pas un magasin en noir. On me dit non. Mais les femmes blanches, non, je vous encourage beaucoup, quoi. Vous êtes très bien. Une femme blanche avec sa fille. Non, non, je prends les chaussures. Ah, mais alors, t'as le droit, tu dis envie, tu t'entends le droit, si tu veux, tu rentres. Ben oui, hein. Change de rayon. Maman, regarde, le gâteau à la crème, je peux prendre. Mais vas-y, prends. Prends comme t'en veux, hein. T'as pour comme t'en veux, hein. Chez les blancs, ils n'ont pas l'argent. Et c'est la carte. Donc tu vois pas comment ça sort. L'enfant, chaque rubrique. Maman, regarde l'arabe. Je prends le carnaval, je vais prendre. Mais vas-y, prends. Comme tu veux, vas-y, prends. Il dit, ah! Les Français, tout que prends. Quand ils sont derrière, je vois une femme noire avec sa fille. La voix change. Maman, je peux prendre les babouches. Elle fixe. Maman, regarde la robe là, c'est comme pour la nini, non, j'ai moi ça. Ping.
les mamouches, la tempête. Ah, voyez combien imbécile, sauvage, la boule, quand même. Changeons de mentalité. On applaudit. Ça ne fait que. Mais ce sont les mêmes femmes qui sont à l'origine. Tout a changé. Famille, hein? Quand une femme a un enfant, c'est fini. Tu comprends? Nutrition. Nourrissons. Nutrition. Croissance. Et le ciel coule. Elle va payer nutrition. Croissance. Nya, nya. Touka, touka, le biberon. Touka, touka, touka. No comment. Mais l'oblique, c'est ce qui reste. Nourrissons là. Elle balance dans la poubelle que bah. Laura aussi vient, il mange. Laura aussi est nutri. Croissance. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Mais tout a changé. Même maintenant, pour Laura, stop. Laura vient. Il esquive. Oh, il bouge. Laura est devenue cesse. Tu caches? Mais c'est pas tout. Le moustique, maintenant, il vient. Il pique l'enfant qui a la croissance, nourrissance. Il pique ça. Il prend le sang. Il boit. T'as mis, oh? Le moustique, maintenant, tu mets le ventilateur à côté. Il esquive. Wow. Tu mets le ventilateur aussi. Tout achat, tout achat, rappelez-vous avant, tu déposes, pas, tu vois ça en bas là-bas. Donc aujourd'hui tu déposes, ta, tu enlèves, ça disparaît. Tout a disparu, tout achat, c'est pas pareil. Famille, mais faites un constat, vous allez voir que appareil, pareil, pas pareil, ne sont pas pareils que papa, parce que c'est papa, c'est pas la même chose. Regardez, capitou. Capitou. Oh. Argaï Wow. Est-ce qu'on peut taper les mains, s'il vous plaît? Taper les mains, 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 famille, c'est ça ou c'est pas ça? Bonne année! Vous êtes un peu. Oh, Gabon. Famille, je m'appelle Capitou le Bapounou, le fils de maman Antoinette. Je suis honnête direct sur Internet. Famille, famille, mais vous êtes assis là comme ça là? Vous ne savez même pas qui a fait que nous tous en soit là. Vous venez, vous riez, vous pleurez de joie. Tu dis quoi? Attendez-vous. Moi aussi. Voilà. Ouais. Je suis là. Ouais. Bibi. Moi. Voilà. Mais. Il n'y a plus le crédit. Voilà. C'est lui qui a pensé que nous tous en soit là. C'est très fort pour lui. Oh, vraiment, non, Soulé. Tu sais, ça me fait plaisir de te voir. Vraiment, à un moment donné, je me demandais là où tu étais. Mais comme tu es là, c'est bien. Explique-nous comment tu as fait pour réunir tout ce monde-là ici. Mémé. Je t'ai appelé. Voilà. Mémé, tu as fait comment? Mémé, c'est simple. Tu as fait comment? Voilà. Donc, attends, donc si je comprends bien, tout de suite, là, si elle te demande d'appeler ceux qui ne sont pas là, tu peux encore appeler. Mais comment? Oh, mais donc, appelle! C'est ça ou c'est pas ça? Mais il y a le crédit. Voilà. Bon, c'est pas un problème. Comme il n'y a plus le crédit,
Moi, je vais te chercher un téléphone avec le crédit. Ne bouge pas. Voilà. Attends, attends, ne bouge pas. Il y a quand même des gens ici qui ont le téléphone avec beaucoup de crédits. C'est mieux de commencer chez une femme. Oh, toi aussi. Oh, après, je viens, tu dis laisse-moi mon téléphone. Tu es mauvaise. Hein? Oh, voilà. Attends, je consulte d'abord le solde. Il y a combien? Oh, Seigneur, la femme, elle a beaucoup les unités. Hein? Carrément 300 000. Seigneur, appelle, sous les appels. Oui, 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 oui. Moumou. Mundunga. Oui, mais, moi. Voilà. Voilà. Oh. Como? Voilà. Les blancs. Voilà. Non, c'est pas grave, Soulé, c'est pas grave. Donne, on va trouver. Vraiment, la pauvre fille, ses unités sont finies. Maman, bip, moi je te renvoie ça. Hein? Attends. Ah! Hé, la petite, tu veux cacher le téléphone? J'ai vu. Oh, il n'y a que 25. La pauvre. Maman, toi, ton pantalon là pas, là. Téléphone entre eux, il dit Soulé! Ouais! Regarde! Regarde! Toi-même, regarde un peu le crédit qu'elle a. Non, 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 le crédit. Le réseau. Ah, le réseau. Mais maman, comment tu marches avec un téléphone sans réseau? Regarde-moi ça. Attends. Tiens. Prends ton téléphone qui n'a pas de réseau. Ah, dis bah tu caches le téléphone entre les cuisses. J'ai super Bangando, donne. Patrick Souleyman. Et ah, Souley, c'est le dernier téléphone, toi aussi. Regarde. Il y a au moins 1 500 000 de crédits. Hey, y a le... Crédit. Crédit. Voilà. Appel. C'est bloqué. Par qui? Papa. Papa. Par le code. Donne. Vraiment, là, je ne sais plus quoi faire. Vraiment, je pose des questions. Attends, mon frère. Eh, lève la main. Ah, tu es là. Vraiment, Soulé, je me pose des questions. Je me demande comment tu as fait pour draguer ta propre femme à toi. Mais ça. Chacun son business. Comment ça? Oh, mais. Voilà! Donc, toi, tu traînes avec l'argent. Mais, c'est ça. Chacun son code. Attends, donc, tu veux me dire que si je te prends une petite là, tu vas traquer devant tout le monde? Ça dépend. Ok, d'accord. Attends. Moi, j'ai dit, je vais pouvoir aujourd'hui là. Je vais voir. Attends! Bon, toi-même choisis. Oh. Excuse-moi, Omar. Je voulais prendre, mais comme c'est toi, je laisse. Attendez. Pourquoi vous voulez la blanche? Il y a aussi une dodo là. Pourquoi vous ne dites pas une dodo? Je prends ici. C'est pas mon genre. Je prends là. Un peu. Bon, je prends ici. Ouais. Non, viens, maman, viens, viens. Et... Applaudissez pour elle, applaudissez pour elle. Et... Voilà. J'ai été dit au des maniocs. C'est carrément le choc. Non, maman, viens. Et... Arrête de dire purée. Avance. Voilà, bon, Soulé, maman, regarde, attends. Je me mets là. Je veux qu'il montre à tout le monde comment il a fait pour draguer sa femme. Donc, il va te draguer. Eh, mon frère, c'est pas pour des vrais. Oh. C'est ça ou c'est pas ça? Bon, Soulé, drague la petite. Bon, bon. Bonsoir. Bon.
Ça va. Ça va et toi? Mais tu es belle, que tu me sembles belle. Merci. Tu m'aimes, non? Je t'aime très bien. Hein? Tu m'aimes, non? Oui, je t'aime. Déjà. Attends. Non, mais toi aussi. Non, faut là. Filmé. Voilà. Mon numéro 07 57 58 17. Bip, moi la sortie. Mais. Et moi, si vous applaudissez, c'est comme ça que toi tu drapes. Elle aussi une fille facile, oui, je t'aime. Regarde-moi ça. Après, tu vas ramener le diplôme maman à la grossesse. C'est vous là. Applaudissez pour elle. Oh, il a eu raison, ma fille. Tu es belle comme un cotis trempé dans l'huile. On applaudit. Merci beaucoup. DJ Poulep. On va remercier tout le monde qui sont venus ce soir. Il y a encore deux artistes qui sont là. Il presse le temps. Sinon, on n'a pas terminé. Mais pour vous, on va dire comme ça, merci à tous les Gabonais. Merci à tous qui aiment l'humour. Merci à tous qui aiment le rire. Merci à Oye 2016. Et on va appeler quelqu'un. Lui, c'est l'étoile montante de l'humour. On va faire venir un humoriste. Lui, il faut l'encourager. Lui, il faut appeler pour lui, s'il vous plaît. Lui, il s'appelle. Lui, il est fort. Il s'appelle Bois Amer. Merci, Bois Amer. Bonsoir, s'il vous plaît. Là, c'est l'enfant de qui, Seigneur? Elle est moins énergie, là. Est-ce que ça va? Dis à ton voisin ou à ta voisine que le rire soigne, s'il vous plaît. C'est très important. Est-ce que ça va, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour vous, s'il vous plaît? Oh, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Veuillez excuser l'insolence, bonne élégance. Depuis là-bas, on m'a dit que c'est moi qui devais boucler le... Là, voilà, toi qui as fait le haut du là, ta grosse boucle là, pour boucler le truc. Je dois me présenter, c'est très important, parce que quand j'ai fait l'école, j'étais bloqué un jour en classe de 5e, on avait un cours de biologie, SVT. Il y a un monsieur qui arrive, le professeur, il demande « Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le cours d'SVT, mais plus particulièrement sur l'aspiration cutanée. » Moi, j'étais encore très jeune, en classe de 5e, je ne me rappelle plus de l'année, hein, parce que j'ai tellement rectifié l'âge dans mon avenir. J'ai trois âges. L'âge à laquelle je devais aller à la police, l'âge à laquelle que mes parents m'ont donné, et l'âge que moi-même j'ai vu par rapport à mon ventre. Lorsque le monsieur rentre, mesdames et messieurs, nous allons revoir aujourd'hui le cours d'SVT qui s'appelle la respiration cutanée. Qui a une idée de la respiration cutanée? Il y a des salauds à l'époque, en 6e. Les enfants là, quand ils étaient en 6e, tu vois leur âge, tu vois seulement le pied. Tu sens que le gars là, il a vécu dans le temps et dans l'espace. Le salaud, il rentre. Un Bakota de Bongoville. Et vous allez constater que le nom Bakota termine toujours par Ngoy. La référence, c'est la panthère. La plupart des noms Bakota terminent toujours par Makatama. Babidjima, et puis Jean Boboma, sauf Simango qui a fui de Haute-Gué, le Gué venait pour aller dans le Haute-Gué. Le Bakota n'avait pas mangé depuis 2 jours, le scooter. Pour les qui rit fort là, ce qui est. Le salaud était arrivé, mais comme il avait l'idée d'apprendre en 6e, quand tu es passé en 5e, c'est que tu as beaucoup travaillé. Même quand tu as la licence, tu étais en 6e. Oui, je suis passé en 5e. Vaut mieux ça que d'être en 6e. Nous allons remarquer, aujourd'hui, nous allons prendre la respiration cutanée. Qu'est-ce que c'est la respiration cutanée? Il y a un salaud qui lève le doigt. Bon, monsieur! Oui, c'est quoi la respiration cutanée? La respiration cutanée est une respiration faite par l'eau. Le gars dit, imbécile!
sortez. Est-ce que ça va? Il faut toujours m'introduire. Je suis bois amer, le bois aimé de soulard des initiés, le guide sac de rire, c'est moi. J'ai beaucoup voyagé dans le temps. J'ai fait Kokobish, Tum Tum Tum, Kokobish, Kokobish, Totanzala, Totanzala, Makatamango. C'est sur le plan national, sur le plan international. J'ai aussi voyagé, pas mystiquement. J'ai fait le Bangala. Hein, voilà, le Bangala, le Bangladesh. J'ai fait le Cuba et j'ai fait le Pays-Bas. Mais je suis revenu au pays parce que la plupart des Gabonais, quand ils vont, ils pensent à leurs parents au pays. On applaudit encore très fort pour vous. Mais ce que j'ai remarqué ici au pays, c'est que nous au Gabon, on a trop le Congo. Voilà pourquoi avant de faire mon speech, je vais d'abord éliminer le Congo. Ça. Sans effet, alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Le Congo, ça. La rumeur. Au nom de Jésus. Et ce que j'ai remarqué avec les Gabonais, c'est que quand tu tombes malade, il y a forcément où tu meurs. C'est à cause de quelqu'un. Tu m'écris là, oh Seigneur Jésus, c'est son oncle là qui l'a fait tout dans le monde. C'est un logiste. Oh. On allait dans les examens, on a fouillé tout le sang, rien, là, il n'y avait rien. Le mourir est même sorti, on a coupé trois fois et elle a combattu. Et quand la personne meurt, même si elle était mauvaise, oh mon Dieu, Seigneur, quel beau garçon qui meurt là. Un bon buveur, oh. Mais ça c'est petit. Vous les Gabonais là, il faut changer de mentalité. J'ai ma grand-mère là-bas au quartier. Son problème c'est le directeur de cabinet, mais ça reste entre eux. Si ça sort, c'est... Le directeur de cabinet là s'appelle comment? Là vous avez peur? Quin, quin, quin. Quin, quin. Le directeur de cabinet s'appelle comment? Mais nous sommes dans un pays démocrate, on s'en fout, hein? Le directeur de cabinet de la présidente s'appelle comment? Mais parlez, pourquoi vous avez peur? Oh, les Gabonais de peureux! Et c'est comme ça que vous avez dit qu'on va aller à la guerre? On va aller à la guerre, vous là! Moi, je suis un Gabonais, moi j'ai mes enfants. Hein. Pour citer le directeur de cabinet, vous avez du mal. Moi, j'ai mon cousin qui a mangé le poisson, ça non! En poisson salé. Quand il a mangé ça, tout le beau, j'étais qu'avec le... Quand tu manges là, ça te donne tout le beau, là, c'est quoi? C'est la mycose. La mycose, là, ça a tracé toute la carte du Gabon. Dans le côté du Bodj, je t'assure qu'on voyait Bitam, la frontière entre la Guinée équatoriale et le Gabon, juste dans le Bodj. Quand le gars, là, a le beau faire prendre les antibiotiques, ça ne passait. Mais il prenait seulement le couteau, couper le kumbu là. Tu vois comment ça secoue. Et puis vous allez, on va aller à la guerre. On ne peut pas aller à la guerre. Si vous avez cet esprit d'aller à la guerre, n'essayez même pas au nom de Jésus. Parce que moi-même en 2009, j'étais là. Il ne peut pas gagner. Quoi? Il ne peut pas gagner. Mais Dieu, pourquoi? Jésus, on était à la cité de la démocratie avec un gros cercueil. Il ne peut pas gagner. Mon Dieu, pourquoi? On arrive au niveau du rond-point de la démocratie. Il y a deux camions pleins. Il y a un gars qui me dit, Fongien, les camions là... C'est comme s'ils veulent nous attaquer. Il y a un gars qui dit, on continue. Il ne peut pas gagner. Pourquoi? Jésus, le gars gare au niveau juste du rond-point. Mais un bon Gabonais ne doit pas dépasser 1m60. S'il a dépassé 1m60, c'est qu'il faut aller vérifier son acte de naissance. Parce que dans l'acte de naissance, c'est peut-être Koulibaly. Il a peut-être les gènes génétiques du Mali. Il ne peut pas gagner. Fongien, il ne peut pas gagner là. Ah! Les gens qu'on voit dans les camions là avec les Kalachnikov là. Le gars qui me dit non, on va continuer. Il ne peut pas gagner. Pourquoi? Jésus. Les gars ont garé juste où vous voyez les poteaux de la cité, le rond-point de la cité de la démocratie avec les Kalachnikov. J'avais le cercueil. Yo. Il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Je vois comment le gars arrive. Il dit oh, les enfants à la maison. Il ne peut pas gagner. J'ai seulement entendu que. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé sur le lit de chez moi à Wenche. Quand j'appelle le gars qui était pour dire qu'on ne peut pas gagner, je le libertise. J'appelle comme ça. Votre numéro est indisponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Je dis ça, c'est le libère. J'ai son direct. C'est le RTL 07 93 30 92. Quand je l'appelle,
Moukanye. Mais on fait comment par rapport à la masque? Regarde, il a gagné, on s'en fout. Dieu est là. Les Gabonais me croient. Il ne peut pas mettre du temps. Dieu est... Lorsque j'ai dit le directeur des cabinets s'appelle comment, vous avez du mal, le directeur des cabinets s'appelle comment. Mais ça, non? Il y a une maman là-bas, là, quand il y a le soleil, quand je serai à la patte, là, vous allez demander, Mado, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir sa réaction. Non, plus fort. Mado, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir. Mais je ne sais pas le soleil là-haut. Seigneur, tu sais le soleil qui brille jusqu'au ministère de l'Intérieur. Mon Dieu, mais ça, qu'est-ce qui se passe avec ton volume pour nous traumatiser comme ça? Oh, Éternel des armées, Dieu tout-puissant. S'il y a quelqu'un qui devait mourir avec les yeux juste, c'est le vexable. Mais il est fort, on applaudit très fort pour le directeur des cabinets. Quand il n'y a pas le soleil, il y a la pluie. Quand la pluie, il y a les tornades. Écoute, oh, Éternel, c'est pas la mort qu'on est né au Gabon. Quel bon pays qui se gaspille là? Oh Yahweh, est-ce que ça va? Oh, je suis bois, mère le bois aimé de cela des initiés. Les autres sont passés. Ils me mettent en dernière position. C'est normal ou c'est pas normal? Je suis garçon, mais je suis là grâce au travail. J'ai mon fils, le salaud, 8 ans. Je vous assure, c'est un gars qui me traumatise à la maison. Il a un problème de ventre. Aïe papa, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Il dit, si tu as mal au ventre, va voir ta maman à côté. Va voir ta maman à côté. Mais nous, on a de nos rituels, notre tradition pour rincer l'enfant au ventre. Papi, tu vas te placer là, je vais te mettre un peu de la purge. On va voir. Je vous assure, j'étais à la chambre en train de suivre Infosport. Je vous assure que quand l'enfant se déshabille, c'est la maman qui dit, ah! Papi, tu m'aimes ton père dans pas ce genre d'objet, la Seigneur Jésus-Christ. Oh, 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 mais à 30 ans, tu vas pousser. Voilà pourquoi les gens vont dire, mais qui veut tester mon show, mais qui veut tester mon show, pousser, pousser. Je me réveille en sursaut, je regarde le feeling du petit, au repos, regarde la taille. Je dis, ça, c'est pas le côté du père. Ça, c'est forcément le côté de ta maman. L'enfant, à 30 ans, même où j'ai eu peur, j'ai regardé mon feeling, j'ai dit, alors là, c'est vrai que les Africains hébergent les pitons, mais à cet âge, ça, c'est un phénomène. Phénoménal. Ouais, merci à moi. Un applaudissement encore très fort pour vous. Vous savez, je suis très heureux d'être ici parce que c'est un métissage culturel. Il y a les Blancs, il y a le petit-fils de Sarkozy qui est là, on applaudit très fort pour lui. Il y a la fillette de Hollande, c'est très bien. Le rire est universel, mais il ne faut pas trop prendre pour l'Occident. Les Occidentaux, deux fois, ils nous trompent. Ils nous trompent dans la manière de se faire, dans la manière de se comporter, dans la manière de faire les choses. Je vous assure qu'il y a une blanche depuis les autres. L'Ovelas aussi, ça nous en renseigne beaucoup. Hein. Même de temps en temps, je discute la télécommande avec ma femme. J'ai dit, mais il faut quand même, parce que ça cultive. C'est une blanche qui son mari avait fait cocu. 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 Cocufié. Tu vas prendre un bateau et tu dis cocu, mon cul. Une femme qui dit, mon Dieu, c'est pas possible, tu me fais cocu avec la voici, mais tu es malade. Qu'est-ce que j'ai pas ce que t'as? Qu'est-ce que tu as eu là-bas? Ça c'est en France, ça c'est en... Revenez au Gabon. Une femme de Mimfoul, que son gars l'a trompé. Quand il serait là, tu vas demander, Mado, qu'est-ce qui se passe ici? Imbécile chien, salaud! Qu'est-ce que tu cherches avec la voisine? Je n'ai pas laissé moi. Je n'ai pas le feeling. Le bosse que tu cherches, c'est pas ça. Tu sens. C'est la raison pour laquelle que depuis quand la femme s'efface, les secrets sont dehors. C'est le jour là que j'avais vu que les secrets sont. Imbécile avec ton petit comme ça là. Je te dis que le jour que tu vas encore participer une femme, si tu n'es pas encore participé, je te verrai. Avec ton petit feeling là. Le gars a dit, mais comme il était bec. Mado. Arrête. Tu m'as déjà mis dans la bouteille. Est-ce que ça va? Mais j'ai constaté que beaucoup de Gabonais... Oh, vous êtes très pacifique. C'est maintenant à l'église. Catholique a changé. C'est maintenant aller. Mais j'ai constaté qu'à l'église, surtout catholique n'a jamais changé la façon de célébrer la messe.
Un seul cantique là-bas te décourage. Toi qui vois, Lolo, Seigneur, te vois. Oh, 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 oh. Ah, mon frère, attention. Oh, 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 tu seras jugé. Yeah. Après, tu yeah, yeah. Je ne sais pas si c'est une sélection. Ceux qui donnent les insultes, le clavier, peut-être que deux touches. Avec le vampire, la touche dièse et la touche étoile. Ce qu'il faut filer, c'est l'encantique, mais bien, cantique, mais bien. Le matin, je bois le moussoumé, gégé. À midi, je bois le vin des pâtes. Le soir, je dis Akiba, Gomozama, Akiba. Moi, on a Akiba, Gomozama, ya. À midi, je dis Akiba. Mais à midi, tu es obligé de bailler à midi. Comme ça, ennuyant. Mais si tu as raté d'aller en boîte de nuit le samedi, rattrape ton église et fais. À 500 mètres, tu te dis, c'est pour maman qu'on a qui est en train de faire les répétir. Mais c'est Satan qui souffre. Lucifer, brisé, 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 brisé. Sur la croix de Golgotha, il a brisé la sorcellerie. Il a brisé, brisé, brisé. Sur la croix de Golgotha. Ça, c'est style coupé des cas. Ils ont le slow. Je suis dans la joie. Une joie. Oh, shit. Oh, yawa. Oh là là. Mais vous savez qu'à l'église éveillée, il y a toujours une question qui taraude les esprits. Excusez l'insolence de mon français. Je vous assure que c'est le monsieur qui dit, est-ce qu'il y a des gars qui, des frères qui nous ont visités ce matin, ce soir, ce matin, il y a une maman qui est là, qui, mon fils, il faut aller devant. Ouais. Ton tas, l'état de ton ventre, tu te dis que tu es en bonne santé, c'est mystique. Le jour où on était quatre nouveaux venus, on était quatre nouveaux venus. Quand je dis ma maladie, ne m'appelle pas, m'appelle moi Sœur Hélène. Le pasteur, il y avait un Bakota, il y avait une mienne, hein, et il y avait un petit. Le pasteur arrive chez la femme, le feu. La femme ne réagit. Le feu! Posez-moi la question de savoir qu'est-ce que la femme elle avait. Elle avait quand même un esprit d'une djembé qui sort en pleine église. En même temps avec un mari de nuit qui l'a traumatisé depuis. Quand le pasteur dit, le feu! On dit, oh non, 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 Seigneur, le salaud! Asangale, Kidikonga. Asangale, Kidikonga, Kidikonga. Asangale, Kidikonga. Oh, Kidikonga, Kidikonga. Hi! Bokaye! Le pasteur arrive chez le Bakota. Madame, mettez-vous de côté. Le Bakota était à côté. Non! Posez-moi la question, qu'est-ce que le Bakota avait? Il avait un esprit de boxe pour taper les autres. Quand le passé vient, le feu, l'esprit de boxe monte en lui. Imbécile, chien. Et un moto, un sangaboutien. Connard. Il tape au niveau de le pasteur à la mâchoire. Tout. Tu vois comment le pasteur s'envole avec la Bible. Coup, essoufflé. La sécurité. Quel con, la sécurité. Mais vous allez remarquer que les gars de la sécurité là-bas à l'église, c'est les gars frivoles, c'est les gars qui ont souffert du sida bientôt depuis. Ils mettent les vestes, même quand tu le poses comme ça, ils tombent. Mais c'est le Bakota qui dit, pasteur, le salut est personnel. Hein. Même toi, même quand tu as vu le Bakota, tu ne savais pas qu'il avait un esprit bizarre. Est-ce qu'on peut applaudir fort pour vous? Oh, je suis content. Oh là là, j'ai envie de pleurer. Si ça peut se faire perpétuer. J'étais encadré par deux personnes. Quelqu'un qui m'a bien formé. Parce que je sors d'une formation. Faire rire, des fois, c'est difficile devant les gens. Quand mon fils me voit jouer à la télévision, quand je rentre, papa, je dis oui. Tu as fini de faire le rigolo. Je dis imbécile. C'est ça qui te paye les cahiers. Mais dans l'avenir, on va vraiment réussir. Et on est un exemple pour papa qui vit de ça. On applaudit très fort pour Omar de Fontou, Ongenge. Ça, c'est mon papa qui m'a propulsé. Il est là. Je suis sûr que bientôt, je vais prendre sa cheville même, papa. C'est vrai que je suis des fois nonchalant, mais ça va aller avec le temps. Ça va aller. Mais celui qui m'a formé, il est là dans les coulisses. Il a dit, petit, va d'abord planter le décor. Je viens de faire ce que tu ne pourras peut-être pas faire. Alors, le français. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir celui qui est derrière moi? Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour ce garçon? Parce que c'est lui qui a fait en sorte que le truc puisse se passer. Levez-vous, s'il vous plaît. Je veux voir les gens, levez-vous. Levez-vous, 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 levez-vous. C'est très important. Rire, c'est pas planté. Rire pour faire rire les gens.